c'est des droits du Facebook. Non, ils comptent pas sur le palis. On demande monsieur Aziz Azad Kondisma, s'il vous plaît. Et je demande à son professeur, à l'occurrence monsieur Galab. Alors monsieur Galab, s'il vous plaît, faites-nous l'honneur d'offrir le trophée à monsieur Azad Kondisma di Sanko. Monsieur Galab, s'il vous plaît. Monsieur Galab, si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à votre travail. Je remercie mon maître. Cela fait seulement une année, à peu près 14 mois, que j'ai commencé à savoir qu'est-ce que c'est les pétanques, comment il faut jouer les boules. Et c'est M. Galab, c'est grâce à lui si je suis arrivé là. En tout cas, merci. Donc, M. Galab a eu cet honneur de honorifier son élève, en l'occurrence, Sanko, Di Sanko Azad. Applaudissements d'Isanko. Bravo. Bravo les gars, bravo. Applaudissements s'il vous plaît. Merci. Merci monsieur Galab. Bon, on va maintenant procéder aux remises des cadeaux pour ce concours. On va commencer par la consolante. Donc, on appelle M. Carlos et M. Zaïd Danji, s'il vous plaît. Finaliste perdant de la consolante. On appelle la délégation de Maurice, le président, pour remettre cette enveloppe au finaliste perdant de la consolante. Un grand bravo, s'il vous plaît. Maintenant, j'appelle finaliste gagnant de la consolante, monsieur Azad. Codisma dit, on me dit Sarkozy. Et monsieur Kablech. On appelle monsieur Majid pour venir. 98% me dit de vous dire ça, monsieur Majid. 18% de points assurés par Majid. De venir remettre le cadeau au finaliste gagnant de la consolante. Un grand bravo, un grand applaudissement pour les vainqueurs. Félicitations. Merci. Bon, maintenant, on va procéder maintenant aux remises des récompenses du concours qui s'est déroulé pendant les trois nuits, trois jours successifs, vendredi, samedi, dimanche. Bon, on va commencer par les quarts de finale. Le numéro 17, Bayante, Bachir et Parwez. Ils ont récupéré leur cadeau parce que comme ils habitaient un peu loin, ils sont venus récupérer leur cadeau déjà. Après, le numéro 27, Hasnan Taoura, Yaya et Ahmed. On appelle Hasnan Taoura pour venir récupérer son cadeau, s'il vous plaît. Monsieur Hasnan Taoura.
Et les deux autres ont déjà récupéré leur cadeau. On appelle monsieur Sanjay pour remettre le cadeau. Vice-président de la TPIR. Un grand applaudissement, s'il vous plaît, un grand. Allez-y, il nous reste 5 minutes et après on finit la clôture. Troisième quart de finale, c'était le numéro 10, Ilyas Rafidji, Lucky Richard et Bagat Baba, ils ont déjà récupéré leur cadeau. Et le quatrième quart de finale, le numéro 18, j'appelle Monsieur Tejal, Monsieur Mujahid et Monsieur Kozema. Et Monsieur Kozema sera représenté par Monsieur Sheikh Taher. S'il vous plaît, allez-y devant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On appelle Monsieur Mounavar Ali pour venir remettre le cadeau au quart de finale. Un grand applaudissement, s'il vous plaît, un grand, allez-y. Un grand bravo, hein. On va passer maintenant aux demi-finales. On appelle en demi-finale Monsieur Sanjay, Monsieur Sefou et Sheikh Taher, l'équipe numéro 19. Okay. Là, on va leur remettre chacun un billet de l'île Maurice. On va remettre à chacun un billet de l'île Maurice pour qu'ils puissent venir participer au concours à l'île Maurice. Un grand bravo! On appelle Monsieur Chan pour venir remettre, spécialement venu de Madagascar, pour jouer à la pétanque. Nouveau résident de l'île de la Réunion. Un gros bravo aux trois. Un grand applaudissement, s'il vous plaît. C'est pour l'île Maurice, hein. On appelle la deuxième équipe de demi-finale, l'équipe numéro 22. Monsieur Komel Issoufali Dikoko, Ayaz et Arif. Monsieur Komel Issoufali, Ayaz et Arif. On dit à Sereli Mama de leur offrir la coupe et le biais. Et le biais, c'est toujours la médaille et le biais. Et le biais, c'est l'île Maurice pour venir à l'île Maurice et jouer la deuxième compétition qui va se dérouler à l'île Maurice. On appelle Monsieur Kilas, s'il vous plaît, Monsieur Kilas.
Monsieur Tejal, vous venez remettre le cadeau aux trois demi-finalistes. Juste une précision, vous avez des bons de commande de l'agence Gangat, Air Voyage de Saint-Pierre. L'année dernière, on avait organisé un concours et jusqu'à maintenant, il y a des gagnants qui n'ont pas encore réclamé leur billet. Donc, ils ont jusqu'à fin mars pour réclamer le bon. Sinon, le billet va être périmé. On ne peut plus le rembourser. Pas ce billet, mais l'année dernière. Il y a certains joueurs gagnants, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réclamé leur billet à cette agence. Donc, on vous demande de transmettre le message à votre famille. De... Ah oui, d'accord, donc fin septembre. N'oubliez pas de demander votre billet. Merci. Vas-y. On doit remettre à qui ? À quelle équipe ? Koumel, Issoufali, Ayaz et Arif. Un grand bravo, s'il vous plaît. Un grand bravo, un grand applaudissement. Voilà le fair play. C'est celle-là qui était là. Elle est où ça ? C'est assis sur le C'est pas le jeu, non ? Non, c'est bien. Bon, on touche à la fin maintenant. On appelle les six finalistes. On appelle les six finalistes de venir devant le podium, s'il vous plaît. Les six. L'équipe de l'île Maurice et l'équipe de Farouk. Un grand bravo aux six. Je tiens à préciser aussi qu'on remercie la mairie pour tout le logistique qu'ils nous ont donné tout au long de ce concours. Et grâce à l'intervention de M. Bouran, un grand remerciement à eux. Ça c'est pour les perdants ou les gagnants ? Pour les perdants ou gagnants ? Pour les perdants ou gagnants ? Bon. Écoute. Voici les six finalistes de ce tournoi. Un grand bravo à eux. Depuis vendredi soir, là il est 22h45. C'est les nouveaux. On ne dit pas gagnant et perdant, mais il y a toujours la pétanque, un gagnant et perdant. Les six gagnants de ce tournoi. On les remercie et un grand bravo à eux. On va commencer par finaliste perdant, l'équipe numéro 32, Farouk, Kozadia et Haroun Mansour. Un grand bravo aux trois. On appelle Monsieur Azad Kodisma de venir remettre la coupe. Il y a trois coupes, trois billets de Tabatav et trois tickets restaurant du restaurant Cardamom. Trois billets Tabatav. Vous voulez dire quelque chose sur le micro, monsieur le capitaine? Je l'ai dit tout à l'heure, un grand bravo aux organisateurs, un grand bravo à toutes les équipes et au fair play qui a régné sur ces trois jours.
Félicitations aux équipes, aux invités. Félicitations à l'équipe gagnante, l'équipe de Maurice. On a été super contents de jouer contre eux. Et voilà, et merci M. Serrano. On touche à la fin maintenant. Voilà les finalistes gagnants de ce concours. Avant de remettre la coupe et les billets, on voudrait avoir leur impression de ce concours. Donc je remets le micro à Monsieur Salim qui va parler à leur honneur. Monsieur Salim, je suis intéressé à vous poser une ou deux questions. Il m'a semblé que vous avez fait beaucoup de compétitions. Vous étiez même jusqu'à Bangkok pour jouer les championnats du monde. Vous avez fait d'autres compétitions. Je voudrais d'abord savoir quelle est la différence du niveau entre ce que vous avez vu aujourd'hui et ce que vous avez fait dans votre parcours depuis longtemps par rapport aux grands championnats que vous faites, même jusqu'au championnat du monde. Bonsoir tout le monde. Je suis Salim de l'île Maurice, bien sûr. Et que d'abord pour les questions, donc normalement pour les Coupes du Monde, c'est tous les champions qui partent. C'est vraiment des hauts niveaux, c'est pas la même chose qu'ici. Et bien sûr, mais on a un niveau, je vais vous dire, ça commence toujours comme ça. Il faut commencer, il y a un début pour toutes les affaires, quoi. Donc là, il faut qu'on progresse. La Coupe du Monde, c'est toujours la France ou la Belgique ou Madagascar qui sont toujours là. Mais je crois qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc d'abord, il faut confronter avec le Malgache pour pouvoir progresser. Donc on est en train de travailler là-dessus. Bien sûr, avec des confrontations telles qu'avec l'île de la Réunion, l'île Maurice et Madagascar, je crois qu'on va arriver à le défi dans peut-être 5 ou 10 ans. Je suppose. Donc, c'est pour vous dire que l'île Maurice sera représentée à la Coupe du Monde en Tahiti, Haïti, l'année prochaine. Donc là aussi, il y a des joueurs qui étaient présents ici. Donc là, je tiens à encore souhaiter bonne chance parce que la Coupe du Monde, c'est pas donné. D'abord, maintenant, il faut qu'on passe par l'Afrique du Sud, par les Africains aussi. Donc, c'est pas la même chose. Déjà, il faut passer par l'Afrique et après la Coupe du Monde, ça fait deux étapes. Il faut se qualifier et après la Coupe du Monde, donc déjà, il y a des très gros pas à faire. Donc, c'est vraiment, c'est pas difficile, mais ça va prendre du temps. Déjà, il faut se confronter déjà avec les bagages, je pense, parce qu'ils ont un niveau mondial, ils sont toujours en quart de finale ou en demi-finale. Il faut être juste, ce qui est juste. Donc, je crois, ça c'est mon avis personnel. Merci. Dernière question. Donc, vous, en tant que compétiteur, vous êtes arrivé jusqu'à quel stade dans les Coupes du Monde? Vous avez déjà participé dans les Coupes du Monde et vous êtes arrivé en quart, en demi ou en finale, ou en huitième ou en seizième. Parce que, donc, si on a bien compris, les niveaux en trois jours, ce que vous avez vu, n'est pas comparable avec les championnats du monde. C'est bien ça qu'on a compris. Oui, c'est juste. Et là, donc, en même temps, vous me répondez. Et en même temps, donc, ce que je veux savoir, le niveau, il y a une grosse différence. Et deuxièmement, vous êtes arrivé jusqu'à quel stade dans les gros championnats du monde? Ben nous, on a gagné la Coupe des Nations en 2003. Donc, ça fait déjà 10 ans. Et la Coupe des Nations, c'est quoi? C'est les 16 meilleures équipes. Ils partent, donc ils sont qualifiés. Et le reste, le 32 équipes qui restent, ils vont faire la consolation. Donc, on avait gagné ça. Et en parlant de la différence, donc, je crois qu'il y a beaucoup à progresser encore, hein, à mon avis. Pour pouvoir se confronter avec la France et la Belgique ou Madagascar. Merci. Donc, voilà. Merci. Merci. Bon, maintenant, on va remettre les trophées. Donc, pour le finaliste gagnant, on a 3 billets Mayotte, 3 médailles, 3 grands trophées et 3 tickets repas restaurant Taj Mahal. Donc, avant d'aller à l'île Maurice, profitez, allez-y, mangez. Un grand bon. Et je dis à Monsieur Cyril Tata de remettre la médaille au finaliste gagnant.
Un grand bravo, s'il vous plaît. Il y a une photo de Cyril Maman. Il y a une photo de Cyril Maman. Comme ça, vous ne l'avez pas oublié. Hein. Comme ça, vous ne l'avez pas oublié qu'il arrive à Maurice, là. C'est la prochaine fois. La prochaine fois, on met la photo de Sarko, là, ici. Merci. Voilà. Okay, merci. C'est le compliqué pour profiter du restaurant. Quel restaurant? Quel restaurant? Trois personnes. Trois personnes. C'est moi le restaurant. C'est trois, c'est un lieu pour les trois personnes. Un lieu pour les trois personnes. Oui, on fait remercier généralement. Spectateurs, compétiteurs, tout le monde, tu remercies la fête. Merci. On remercie en même temps tous les boulistes, toutes les personnes, les spectateurs et tout le monde qui sont restés jusqu'à tard ce soir pour la remise des cadeaux et pour regarder la finale. Un grand remerciement à tout le monde. Et je souhaite, Inch'Allah, à tout le monde pour l'année prochaine un autre concours de M. Serali Tata. Un dernier mot de la part de M. Serali Tata. Vous êtes tous qui sont présents ici, vous êtes tous mes frères, que ce soit qui viennent de Madagascar, de Mayotte, de l'île Maurice. Je pense qu'à mon prochain concours, vous allez venir ici pour participer. Et vraiment, c'est félicitations. Et c'est félicitations que je m'adresse à vous. Pour les deux gagnants, les deux finalistes. Encore une fois, félicitations. La soirée est terminée. Bon, ben, bonne soirée à tout le monde et à l'année prochaine. Merci. Un instant, il y a un. Bartou, Bartou. Le représentant de l'île Maurice, le président, veut nous dire quelques mots. Bonne fin de compétition. Et sincèrement, on a passé des très bons moments ensemble. Et comme Salim a dit, certainement, le niveau, c'est pas mondial. Mais on a eu des spectacles. Et très bon niveau au niveau de l'océan Indien. Nous, on était cinq équipes et on croyait qu'on allait arriver très très loin. Mais malheureusement, il y a une seule équipe qui est arrivée dans les Caridas. Alors, ça montre qu'il y a un très bon niveau et vous êtes tous des cogniers à La Réunion. Vous jouez très bien la boule et il y a encore beaucoup à apprendre, certainement. Mais vous jouez très bien. On a eu des très bons spectacles. Très, très bons. Pourquoi j'ai dit ça? Par exemple, notre demi-finale, Sanjay et Salim, c'était 7-2 et après c'était 11-11. Mais ça c'est des spectacles. Ça, on ne le voit pas partout. Et merci encore, M. Serali. Merci, nos amis, nos frères de La Réunion, de Madagascar, de Mayotte. Et je pense que c'est très rare que de Mauriciens va à Mayotte. Peut-être on va poser notre empreinte sur Mayotte maintenant. Et pour le Masters, on pense d'organiser en collaboration, pas nous ou l'île Maurice, hein, en collaboration avec nos frères de La Réunion, le comité des amis boulistes indiens de La Réunion et de Madagascar et les îles de l'océan Indien. Et on espère qu'on arrivera à le faire. Merci beaucoup, merci encore une fois pour l'invitation. On essayera de revenir la prochaine fois pour votre 8e édition. Et on a beaucoup appris avec vous. Beaucoup appris avec vous et votre organisation. Vous et votre organisation, vous êtes vraiment
comment on dit, un monument, monsieur Serrali. On a beaucoup appris avec vous. Merci beaucoup. Merci tous les amis de La Réunion, Sanjay, Saifou, Soifou. Chez nous, il y a Soifou, ici il y a Saifou, Tedjal et tous les amis qui sont là, qui ont été là pendant ces trois longs jours de pétanque, trois longs jours de fête, trois longs jours entre les amis. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Non, non, hey, finalement, j'ai fait un peu de temps. Mais Dieu, oui.